Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle série sur un nouveau jeu qui est sorti, alors pour vous hier, pour moi aujourd'hui, Evil Genius 2 World Domination. On va jouer un tyran du mal qui doit construire sa base, tout ça, ça a l'air assez cool. C'est développé par Rebellion. Par contre j'attendais à avoir une campagne, a priori il n'y en a pas, c'est dans le Season Pass, donc ça c'est moyen je trouve. Du coup on va jouer une partie tranquille. Allez, on va commencer par devoir choisir quel génie du mal on prend. On a d'abord Maximilien, un richissime mégaloman. Généraliste, il possède beaucoup de choses, vous y compris. C'était pas flagrant, mais c'est vrai. Il se prend pour un inventeur non conformiste, bien que la plupart de ses créations finissent par provoquer des drames, causant généralement la mort de la personne derrière la gâchette, au lieu de celle qui se tient devant. Pour lui, les armes sont des armes, l'argent est sacré et les gens sont remplaçables. Sinon, pourquoi vendrait-on des armes? Désormais, Maximilien vise plus haut que sa multinationale. Il ne reculera devant rien au nom du profit. Tout ce qu'il touche se changera en or. Voilà, je pense qu'on va partir sur lui parce que c'est le héros de la série, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Dunaire ordonne aux sbires de donner la priorité aux tâches à proximité de Maximilien, d'accord. Népotisme termine immédiatement la formation de tous les sbires à proximité de Maximilien. Main d'œuvre importante, Max sait parfaitement faire la part des choses. Il gagne de l'or de façon plus régulière que quiconque. Et il commence avec des sbires supplémentaires. Voilà, sinon on aurait pu jouer avec Yvan le Rouge qui lui c'est tout de suite ordonne aux sbires de donner la priorité aux tâches à proximité, d'accord. Les sbires les plus proches reçoivent un bonus de combat. Vieille école équipe. Dans cette équipe d'un lance-roquette et tire un projectile explosif. Potion de chaos. Et la loi des plus forts, guerrier né, Yvan est capable de rassembler un grand nombre de sbires de classe force sans effort. Ok, ensuite on a Zalinka, génie des sciences, ouais, plus des brutes épaisses. Yvan, Zalinka, ordonne aux sbires de classe de science, ok, réparation immédiate de tous les éléments, c'est tout. Et on a Emma, qui est une espionne devenue empoisonneuse. D'accord. Votre attention, conspirationniste. Ok. Bon, on va partir sur Maximilien. Et on fera peut-être les autres héros sur d'autres séries. J'ai vu qu'il y avait 3 îles, donc écoutez, ça permettra de faire 3 séries sur le jeu. On va commencer par la première île. Le Cercle d'Or est un petit paradis tropical. La végétation luxuriante qui recouvre sa cime majestueuse offre un décor magnifique pour quelques photos de vacances, tout en laissant assez d'espace constructible pour un entrepreneur avisé ou mal intentionné. Ces plages dorées auxquelles l'île doit son soi-disant nom présentent un énorme potentiel touristique. Ce nom semble par ailleurs avoir été prophétique puisque une récente expertise géologique a révélé que les profondeurs de l'île cachaient des gisements d'or qui n'attendent que d'être exploités. Ok, donc c'est parti, on va sur l'île. On est au milieu de l'Atlantique, a priori. Sinon, on avait le Montagnes Gamelas, qu'on fera en deuxième, et on finira sans doute par la clé de Kane. Mais ça sera sans doute sur les autres îles. Donc voilà, donc là, on va voir l'île. A priori, devant, il y aura un casino. Et ça, sur toutes les îles. Qui fait un peu la façade, en fait, de notre base. Et la galerie de différentes photos. Ok, allez, c'est parti. On attaque, du coup. Evil Genius 2, World Domination. Ah, j'ai eu en plus un bonus précommande. Ok, nickel. On va activer le didacticiel parce que j'ai jamais joué. On va jouer en moyen. Très bien. Et c'est parti. Donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble. J'ai jamais lancé le jeu encore. Mais c'est parti du coup pour Evil Genius 2. J'ai gagné le succès top départ. Now use the rotate controls to rotate the camera. Ok. On fait bouger la caméra comme ça, ça d'accord. You can use the zoom controls to zoom in and out. Ah oui, donc c'est vraiment le début. Hop là. Use the tilt controls to tilt your camera.
Ah, alors attendez, il y a juste un petit problème, c'est que le jeu est en QWERTY. configuration des commandes. Un jeu raciste. Et vers la gauche. Je vais pas regarder s'il y avait un CTRL Z pour annuler ça, ok. QE, ça, ça va être AE. Tac, 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 ok. Allez. Ok. On a 20 sbires, ok. Incline la caméra. Hold on. Who do you think you are, giving me instructions like that? Il est en train d'engueuler le mec qui nous fait le tuto. I'm here to help by telling you exactly what to do next in a friendly and helpful manner. But you are here to do everything I say. Correct. Step one. Tell us what you want. And the minions will do it. We're eager to please. And also eager to live. Please stop looking at me like that. New main objective available. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Okay. Open the build menu. Le menu de construction qui est ici, ça c'est quoi comme menu? Menu système, ok. You need a place to store your gold. Select the vault icon. Ok, on va devoir commencer par faire une chambre forte, du coup. Paint tiles over the highlighted area. This will be where we'll build your vault. Gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair. Ok, on va mettre des palettes. Faut que je les mette toutes. It's best not to leave your gold sitting in the open. Add a door to your vault. Ok, on ajoute une porte. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. Ok, c'est parti du coup. Wait for your minions to install les the door before commencer. Moving on. Ordered furniture must first be collected from the depot under the helipad. Ok, donc on a l'hélipad qui est là, il me semble. Voilà. Objectif. Ok, sécuriser la chambre forte. Ok, donc c'est le premier objectif qu'on a à faire. Très bien. Bon, de toute façon, on va nous dire comment tout fonctionne, je pense. Voilà, donc en fait, le jeu, voilà, on va être obligé de creuser dans la roche en fait avant de pouvoir installer la pièce. Donc c'est ce que sont en train de faire mes sbires. Ils creusent et après ça, ils vont pouvoir installer du coup les éléments nécessaires de la salle. Et en attendant, mon argent diminue. Ok, ça c'est fait. Hop, ils sont en train d'installer la porte. New main objective available. Now your gold is safe. Let's add another room to the lair. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Minions need to rest caserne. After a day of evil deeds. Let's build a barracks. Beds give minions places to sleep when their vitality or morale start to run low. Alors attendez, c'est quoi là? R pour tourner, d'accord. Items can be rotated freely with the rotate controls. Items that need to be placed next to a wall will automatically rotate. Place some beds on the other side of the barracks.
Ok, bon, on a un petit peu avancé. Select confirm to give the order to your minions. Ok, donc là, ils vont aller construire une caserne. Objectives will help pave the way to world domination. Optional objectives will give you small, frequent challenges. Collect this one now for a reward. Ok, il va falloir obtenir la réponse, du coup, enfin la récompense de l'objectif optionnel. Rêve de domination mondiale, on obtient la récompense, on récupère $7,500. Come back here often for main objectives, side stories, and optional objectives. Food is an essential part of any minion's diet. Without it, they'll become more unhealthy and less intelligent. Much less intelligent. D'accord. Build a mess hall. Un réfectoire ensuite. You can rotate any item in your lair. You can also move them after they've been constructed. New optional objective available. Basic food counters restore minion smarts and vitality and stop stomachs from rumbling. Ok, ça c'est bon, on a objectif optionnel qui a été lancé, qui est installer des casiers dans la caserne. Hop. Voilà, ça c'est pour l'objectif optionnel, il en fait les deux, donc voilà. At last, something worthy of my skills. All that glitter time is money. What next? Ok, on peut attendre que tout soit livré, forcément. On regarde un peu la base quand même, parce que là, ouais, il y a le casino. Du coup, et alors a priori, si j'ai bien compris, les espions vont arriver par là, par le casino en fait, et c'est par là qu'ils vont rentrer dans la base. Wow. Ok, elle est bizarre la souris, je faut que je contrôle avec ça plutôt. Ce sera plus simple. Hop, on a un casier qui va être livré là. Ok, vous voyez, ils arrivent avec d'autres choses à livrer. Je suppose qu'on va avoir besoin d'énergie après. New main objective available. Voilà, plus d'énergie forcément. It seems we're low on power. Let's fix that before continuing. Build space for a power station. You can place this where you like, but be careful, as it will be a tempting target for enemy agents. D'accord, donc on va l'éloigner de l'entrée. Alors attendez, parce que j'ai d'abord l'optionnel, je dois pouvoir récupérer hop, la récompense, merci. Alors, on a besoin... Allez, ça y est, on a toutes les choses qui sont arrivées. La terre, couloir, centrale, caserne, réfectoire du coup. Et on a la chambre... Ah, d'accord. Ça se libère au fur et à mesure. 464 cases. Ah non, 64, pardon. Generators power items in the lair. Without it, almost nothing will function. Be careful, as enemy agents will attempt to sabotage your generators if they find them. On va quand même pas laisser la porte ouverte. Ah, c'est plus grand que je pensais, tiens. Bon, c'est pas grave, on agrandira la pièce au fur et à mesure, de toute façon. Pour l'instant, c'est voilà, une découverte, hein, donc...
On a tout notre or là, c'est cool. Je sais pas trop pourquoi j'ai des notifs au-dessus. Ok, il en faut deux des générateurs, pardon. It sure is dark, isn't it? Are you scared? No? Me neither. Non, j'ai pas peur. On est quand même super méchant, c'est pas pour rien. Alors, on a de nouveaux objectifs secondaires. Recruter 6 sbires, ok. Ça, je sais pas comment ça a marché, mais je suppose qu'on va me le dire. Pour l'instant, des sbires, j'en ai 26. C'est quoi ça? Ok, donc là on a l'énergie. Defeated agents lie in body bags on the floor, causing minions to lose morale if they get too close. Build an incinerator in your power station to dispose of them. Ah oui, d'accord. New main objective available. Open the character selection panel, then select the evil genius portrait to highlight and follow your evil genius. With the evil genius selected, interact anywhere in the highlighted area to move your genius. Evil minds think alike. New main objective available. You need a control room to send minions into the world. Let's lay down a plan for one. Ok, il va falloir ensuite construire une salle de contrôle. On va la mettre là, je pense. Radio repeaters provide broadcast strength, allowing us to maintain criminal networks across the globe. The more broadcast strength you generate with your radio repeaters, the more of the world you can infiltrate. For now, let's just infiltrate a little bit. Non, pour en faire ça, ça suffit. On grandira quand on aura besoin. Donc alors voilà, on a l'incinérateur du coup qui servira pour déposer les corps. Et là on va voir la salle de contrôle qui vont permettre d'aller explorer le monde. Le monde, d'aller conquérir le monde. Là, quand vous allez dormir, bah allez dormir, hein, y a de la place. Bim, et voilà, un centre de contrôle de ma base, tout près, tout neuf. Ah donc il y a une sorte de scanner là en fait. Ok, ça y est, ils sont en train de ramener. On ramène la porte, lui.
Bon, il est où celui qui nous ramène Recruter, former des sbires. Recruter, vous devez construire d'autres casiers pour pouvoir recruter plus de sbires. Ah, ok, d'accord, c'est des casiers qui servent pour les sbires. Intéressant. New main objective available. Head to the world stage. Alors, voilà la carte du monde. Each of the highlighted regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing and scout it to establish a criminal network. Ok, on va envoyer du coup du monde en République de Smash, a priori. On a, de toute façon, il y en a une par, par zone. On peut commencer par le Groenland. C'est un nord-est du Patriote. New optional objective available. Ok, on va commencer par le Groenland. Okay, you can speed things up by selecting fast forward at any time. Once built, you can use our criminal network to run schemes in this region. Et du coup là il y a des sbires voilà, qui vont prendre l'hélicoptère pour aller repérer la zone si j'ai bien compris. Ok, ils sont partis. Hop là, voilà. Ah, ils sont en train d'établir, pardon. Faut 30 secondes pour établir. Dès qu'il sera prêt, nous pourrons utiliser le réseau criminel pour exécuter des machinations dans cette région. I'm all packed, boss. Send me into the world and I'll come back with plenty of gold. Come back? You think you are coming back? No, I'm not having you coming back here, tracking justice all over the place like mud. They'll follow you right to my door, and then where would we be? Take a little gold for yourself, then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Or else. Minions okay, so will travel to the world and run any scheme you select. You will receive small amounts of gold as they progress. Ok, donc ça. Attends, hop là, on va réduire la vitesse, j'ai pas besoin. Vos sbires peuvent quitter. Par contre, du coup, ça veut dire que j'ai perdu des sbires. Ah oui, par contre, j'ai recruté deux, ça m'a permis d'en recruter deux. Ok. Exécuter une machination ensuite. Alors, braquage de banque. Tout commence ici par le premier d'une longue série de vols. Une équipe d'ouvriers motivés peut percer la chambre forte et s'enfuir avec une grande quantité d'or. On récupère 5000. Le prérequis, c'est d'avoir deux ouvriers qui partent, deux sbires. Ça dure 30 secondes. Et là, par contre, il va y avoir une hausse de tension dans la région. Ok. New main objective available. A prison will make for the perfect place to hold your enemies before questioning them. Ok, donc ensuite on va faire la prison. On va la faire là. Cinquante-six cases. Ah, c'est assez grand par contre. On réfléchit où je vais mettre. La salle de contrôle elle va s'étendre par là. Je vais sans doute faire d'abord un couloir. Combien de large les couloirs? 1, 2, 3. On va se mettre une prison dans le bout ensuite. These holding cells hold one prisoner each. If you don't have any free cells, your minions can't capture people. Il
prison, et ça c'est quoi ? La chaise d'interrogatoire. We can use it to make prisoners tell us their secrets. New main objective available. Experiment with interrogating agents. You never know what secrets you will uncover. Ah, essayer d'interroger des gens. Ok. Ok, attention est à 12 sur un maximum de 50. Attends, je crois que j'ai des objectifs secondaires, faut quand même que je les fasse. Mon générateur. Un relais radio supplémentaire, un générateur, ça je l'ai fait, c'est dommage. Il en faut deux de plus, bon ça se fera au fur et à mesure. Ok, tout ça, ça se fait au fur et à mesure de toute façon. Principal plan annexe, ok, aucun. Il y a un truc là quand même. Les recherches pour passer au niveau 2. Ah, il faut que je construise une nouvelle salle. C'est quoi ça? Ah, c'est la salle de contrôle, ouais. Ok, donc là, il faut que j'agrandisse d'abord la salle. C'est par l'agrandir. Ok, donc là ils sont en train de livrer la porte, la prison. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Ah, il faut quand même que je continue de faire des choses a priori. 30 minutes, ça me rapportera 20 000, ça rajoutera 14 avec un maximum de 50, c'est peut-être pas ouf. On va juste rajouter 15 sans doute. En 3 minutes, ça me prendra 3 ouvriers. Ok, on va exiter celle-là. Vous pouvez les sbires pour commencer cette machination, ils ne reviendront pas à la base. Ok. Hop, on va le deuxième. Sachez que c'est un truc optionnel, donc c'est pour ça qu'on va le faire. J'ai toujours 26 sbires pour l'instant, même si j'en ai 3 qui vont partir là. En mission. New main objective available. Where we're going, we don't need roads. Head to the world stage to recruit a scientist. D'accord, alors attendez, parce que par contre, je vois que j'ai plus assez d'énergie, donc je vais agrandir la salle du générateur. Et rajouter, du coup, des générateurs. Hop, ça c'est parti. Select a scientist scheme. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Ok, il faut juste que j'attende que celle-ci soit terminée avant. For these important schemes. C'est impossible de le faire de toute façon tant que j'ai pas plus d'énergie. Optional objective complete.
élément générateur, bon ça va arriver du coup. Ok, les générateurs vont être construits comme ça, on va récupérer de l'énergie, très bien, on a la prison là. New optional objective available. Obtenir 20 000 grâce à des machinations. Ok, bon ça c'est en cours également. Vu qu'on a une machination qui est en cours, on va accélérer le temps là un peu. Hein. Alors, a priori, ils ont construit des générateurs, sans doute. Hop là. A scheme has succeeded. Ah, très bien. Ce qui veut dire que je peux envoyer 10. Par contre, on est où dans la... Attendez, que je ne prends pas 30, 50. Ok, on peut aller là. On peut exécuter cette machination. Deux ouvriers. 30 secondes. Once complete, the scheme will yield you a fresh-faced scientist. Ok, bon, on va attendre que les sbires soient partis et on va pouvoir recruter comme ça un scientifique. Le fait d'avoir fait une deuxième, par contre, ça veut dire que je dois pouvoir sans doute commencer ailleurs. Il me semble que là, ils avaient dit que c'était assez facile. On va envoyer du repérage ici. On a une deuxième façon dont normalement je dois pouvoir. Ah mais j'avais pas vu du coup ça avait ouvert le mur là. Ah c'est nul. Pourquoi je peux pas... Ah, parce que j'ai pas confirmé ça. Hop là. Ok, faut que j'attende que ça bouge du coup. On va perdre un lit, mais de toute façon, il va falloir que j'en serre un petit peu tout ça. Pour l'instant, je suis didacticiel donc. Pouvoir remettre le mur. Là, bon, c'est parce que j'ai mal placé le couloir aussi. I'm ready to uncover the mysteries of the universe for you, boss. What do you want me to research? Interesting word. Research. Implies you are searching for something a second time. You better not be charging me for the same work twice. Your new scientist appears to believe that we can use a training room to teach our slack-jawed minions how to do specialist jobs. Get one built and you can find out for sure. Mais quand je fais pour construire un mur là? Ah, je peux pas reconstruire de mur une fois que c'est cassé. Ah! Oups. Bon, je vais regarder ça, c'est pas grave. New optional objective available. Ok, bien, bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a démarré Evil Genesis World Domination. On continuera ça rapidement. Je pense que je vais enchaîner assez vite les épisodes parce que j'ai envie de connaître la suite de cette série qui m'amuse beaucoup pour l'instant. C'est très drôle. Et voilà. Donc bah écoutez, on se donne rendez-vous sans doute demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.